appareil est prêt à fonctionner. Voilà donc bien sûr quand vous allez recevoir cette balance, eh bien vous allez être entièrement seul, autonome pour la paramétrer. Elle est très simple d'utilisation avec les trois petits explicatifs que je vous ai donnés dans la vidéo. Vous allez pouvoir entièrement la paramétrer seul. Surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne, à partager. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. On y est, on a dépassé les 10 000 abonnés. Un très grand merci à vous. Vraiment, je ferai donc une vidéo de remerciement pour vous remercier tous les abonnés qui font vivre cette chaîne. Je suis vraiment très heureux de vous partager toutes ces vidéos, tous ces tutos et présentations. J'espère qu'elles vous aident tout au long de l'année. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous désirez voir, ce que vous désirez entendre. Je regarderai les commentaires consciencieusement. Aujourd'hui, on va voir ensemble un pèse-personne de chez Beuret, un pèse-personne en verre. Et comme d'habitude, que fait ce pèse-personne? Eh bien, il sera vocal avec beaucoup de particularités. Alors, c'est dans cette vidéo que je vais vous présenter le pèse-personne donc de chez Beuret. Tout en verre. Et vous allez voir que ce pèse-personne a vraiment beaucoup d'avantages. Déjà, de par sa surface en verre, on va voir tout de suite toutes les specs dans cette vidéo. Merci encore pour les 10 000 abonnés et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, avant de passer au déballage, on va passer aux spécificités de ce pèse-personne. Pour ce pèse-personne, on a un poids maximum de 150 kg. Au niveau de la graduation, on part de 100 g à 100 g. Au niveau de la synthèse vocale, au niveau du text-to-speech, on a vraiment plusieurs langues. On a le français, l'espagnol, l'allemand, le russe, anglais, plusieurs langues que l'on peut utiliser. Elles sont vraiment super audibles et vous allez voir que ces synthèses vocales sont de très grande qualité. Au niveau de ce pèse-personne, donc, on a 4 mémoires, ce qui veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, 4 personnes de la famille vont pouvoir utiliser la balance et garder par rapport à chaque mémoire les différentes prises de poids suivant les jours ou les mois. Au niveau des différentes couleurs du verre, on peut avoir du vert, du gris ou du bleu. Ici, la présentation sera sur du gris. En plus du text-to-speech, en plus de la synthèse vocale, on a des chiffres d'une hauteur de 33 mm avec une très bonne visibilité. Un très bon haut-parleur. Alors là, c'est vrai que vous allez entendre pendant la vidéo. Au niveau de la dimension de la plateforme, on est sur 34 cm de large sur 35 cm de long. Au niveau de l'épaisseur donc de notre pèse-personne, on est sur 23 mm. Et pour faire fonctionner le tout, il vous faudra donc 3 piles 1,5 volts qui bien sûr sont fournies avec notre pèse-personne. Voilà donc pour toutes les spécificités. On passe tout de suite au petit déballage. J'ai déjà mis donc les piles à l'intérieur. Je répète donc des 1,5 volts. On va voir ensemble tout ce que possède le carton au niveau déballage. Alors, le pèse-personne en lui-même est vraiment très joli, très design. Lorsqu'on ouvre le carton, on a sur le dessus donc le pack de piles. Alors elle est en verre, faut faire très attention de ne pas la tomber lorsque vous la sortez du carton. Et au fond de la boîte, on a aussi donc la petite notice qui va vous permettre de gérer la balance. Alors tout en haut à gauche, ici, en gros sur votre écran, vous pouvez voir l'haut-parleur. Emplacement de mémoire 1, mémoire 84,9 kg. Ici, je vous montre très gros sur l'écran, on est sur un fond bleu. L'appareil est prêt à fonctionner. Vous pouvez entendre la synthèse vocale ici qui est très jolie. Je vous mets en très gros sur l'écran comment on aperçoit sur l'écran. 38 mm d'hauteur pour les chiffres. Emplacement de mémoire 2. On a donc ici mémoire 0,0 kg. Les 4 boutons de mémoire.
Voici ici le design complet de la balance. Un très beau design, très bien fait. Au niveau de l'épaisseur. L'appareil est prêt à fonctionner. Un verre gris-noir avec de très belles couleurs lorsqu'on appuie par exemple sur le... Emplacement de mémoire 4. Mémoire 0,0 kg. Ici, ça va pas du tout être discret, hein, parce que si vous voulez prendre votre poids avec du monde autour, c'est clair et net que tout le monde va l'entendre. Donc, bien sûr, la synthèse vocale peut se désactiver, le volume peut se régler, et tout ceci se passe sous la balance. On va tout de suite aller sous la balance. On a l'emplacement des piles, qui est lorsqu'on retourne la balance en haut à droite. Et tout de suite, quand on part un petit peu sur la gauche, on va sentir dessous trois boutons. Et ces trois boutons vont servir au réglage du volume, à la désactivation de la synthèse vocale et au réglage de la voix. En plus, par rapport aux boutons, on peut voir ici qu'on a un haut-parleur, le langage et pour mettre donc la synthèse en veille. Avec le bouton du milieu, qu'on change le langage. English, espagnol, français, Deutsch, russe. English, espagnol, français. Deutsch, russe. Donc le parleur est très conséquent. Donc voilà ce magnifique pèse-personne vocalisé avec une très belle synthèse vocale. C'est vraiment très sympathique. On va se mettre sur la mémoire 1. Emplacement de mémoire 1. C'est parti. Mémoire 86,8 kg. Voilà donc pour ce pèse-personne beurré. Donc un pèse-personne entièrement vocalisé. Muni de 4 langues, vraiment un très beau produit. N'hésitez surtout pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, de liker, de partager, et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour la prochaine, salut à tous.